avait dit de pas sur l'autre, Ruth. Ruth a compris que Naomi là, elle a la grâce. C'est une forme de grâce. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ton pied, mon pied. Ton Dieu, mon Dieu. Tu as dit, hein? Il a ouvert la porte de la grâce. Fais comme ça. Il nous a amené pour nous enseigner. Pour qu'on comprenne que ce n'est pas au début du ministère qu'on a ça. Il nous a donné son témoignage Bunke. Lui-même, il a invité un évangéliste pour venir prêcher pour lui quand il était au Botswana. Donc, il était là-bas. Quand il a invité le monsieur, lui, il était assis, il était un jeune. Il était content. Ce papa-là faisait des miracles, des guérisons, tout. Et puis, le samedi soir, ce papa dit à Bunke, Dieu m'a dit, c'est toi demain qui dois prêcher, terminer la campagne. Au revoir. Bunke dit quoi? Lui. Il dit non, ça c'est pas, c'est, papa, c'est pas bon. Il dit quoi? Moi? Le papa a pris sa voiture, il est parti. Il faut obéir à Dieu. Il est parti. L'année matin, et les gens, et le soir là, les gens sont venus nombreux. Bunke est arrivé sur la scène. Anna, il va bientôt, le papa va venir, il va introduire. Bunke ne sait pas ce qu'il va faire. Il attend. Les gens disent, mais où est l'évangéliste? Il n'ose pas dire aux gens qu'il est parti. Bon, à la fin, il a pris son courage à deux mains. Il dit, Dieu, fais-moi la grâce. C'est ça que je veux vous introduire ce matin-là. Écoutez-moi, frère. C'est quand il n'y a plus rien, rien. Prie cette prière-là. Seigneur, fais-moi une grâce. Écoutez, il y a des prières simples que vous ne savez pas. Fais-moi une grâce simplement. Ici, là, sans ta faveur, là, il n'y a rien. Et il s'est avancé à la chair. Les gens riaient, quoi. Le jeune l'avait fait, quoi. Il a dit à Dieu, fais-moi une faveur. Quand il a commencé à prêcher, au bout de 10 minutes, l'onction est venue sur lui. Quand il a commencé à parler, les miracles se passaient. On dit, ah bon? Dieu dit, mais c'est ça. Tu vas demander une faveur, non? Est-ce que tu mérites ça? Écoutez-moi, devant vos impossibilités, la prière la plus simple, ce n'est pas d'aller jeûner prier. C'est de vous asseoir, lever vos mains. Seigneur, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ta faveur divine. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ta faveur divine. Rien d'autre. Quand les Américains sont venus ici, en quelle année? C'est toi, non? Toi qui m'as traduit, non, c'est Luc, ouais, Luc. Voilà. Mais ils sont venus, ils ont fait les Claudio Fredon, tout ça là. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait la campagne. Mais ils ont dit le samedi matin, à l'église AD de Gungé, que Dieu leur a dit, là où ils vont, que c'est un national qui doit prêcher pour le dernier soir. On était nombreux, avec les grands pasteurs AD et tout ça là. On était tous là. Et puis l'un de leurs prophètes l'a dit, il dit, j'étais assis, il dit, c'est vous. C'est soit vous qui prêchez à la campagne. C'est vrai que j'évangélais déjà, mais je n'ai pas fait une... On était passé là où Bunke faisait son truc là. Donc on s'est assis, tous les gens de la famille étaient là, tous les gens étaient, tout le monde était là. Je suis venu m'enfermer rapidement ici, au secrétariat là. Il dit à Dieu, ah, ça là, faut pas mettre les choses sur moi. Hein? J'ai besoin de ta grâce, de ta faveur divine. J'ai crié à Dieu toute la journée. Dieu m'a dit, prends le message de Exode. Il dit, que j'ai dit à Moïse, je suis descendu. J'ai entendu les cris. J'ai vu. Je suis descendu. Et je vais délivrer. Il dit, mais ça, c'est pas un message d'évangélisation. Dieu dit, va avec ça.
Je suis parti. Mon frère, quand je me suis levé pour prêcher, je tremblais un peu, mais je savais, je demande la grâce. À un moment donné, j'ai lancé l'appel. Les gens sont venus très nombreux se convertir. J'ai dit, bon, groupe musical a chanté. J'avais maintenant, ma foi était ferme. Ils ont chanté, je me suis levé. Les grands hommes de Dieu étaient les Américains, Claude Fraison, tout ça là. Je n'ai pas prié pour les malades. Patrice Chevalier, s'il est là. J'ai dit maintenant, tous ceux qui sont venus avec des personnes avec des goitres, c'était des musulmans, les Adja et les quoi qui étaient là. Les goîtres là ont disparu. Ceux, les enfants qui étaient sourds, là ils sont. Si la cassette doit être avec un pas, tu viens encore. C'était le frère Cléa qui avait. Ça tremblait, mais voilà. Des miracles et des miracles. Là-bas. La grâce. Écoutez-moi. Un homme d'affaires était presque en faillite. Il avait dirigé son entreprise. Et il est parti voir son pasteur. Dit pasteur, tu prêches la grâce là-haut. Moi et ma femme là. Si Dieu ne fait pas grâce, dans quelques jours là, notre entreprise va fermer. Notre entreprise va fermer. Les pasteurs aussi ne connaissaient pas la grâce. Il a prêché ça. Mais il s'est levé. Il a dit à Dieu, quelle prière on peut faire ici? Saint-Esprit a dit, il faut plaider la faveur divine pour lui. Dis à Dieu de te faire faveur à toi-même d'abord, pour que quand tu vas prier là, ce que tu vas dire là, ça va toucher ton chrétien là. Et il a levé la main. Il a dit à l'homme de Dieu là, il dit maintenant, j'ai demandé à Dieu une faveur, moi-même, parce que je ne sais même pas comment prier. Que ce que je vais dire là puisse agir dans ton entreprise. J'ai demandé une faveur. À cause de ça, tu vas voir. Donc, à partir de maintenant, ton entreprise là, tu vas voir. Et puis, il est parti. L'homme est parti. 3 jours plus tard, l'homme là téléphone à son pasteur. Il est pasteur. C'est extraordinaire. La faveur divine est comme ça. Mais c'est impossible que mes concurrents, tout le monde était contre moi. Et si je perdais ces marchés-là, je fermais l'entreprise. Mais je n'ai pas su comment. Brusquement, tout ce qui était là, tout est venu d'un seul coup. Il dit, pasteur, continue à prêcher la grâce. Continue à dire aux gens que la faveur divine, c'est ça qui est important. Tu comprends? Chaque fois que tu as le problème, c'est qu'on croit que la faveur, c'est une exception. On doit vivre ça régulièrement. Régulièrement. Puisque nous sommes les enfants de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous par la grâce. Une maman dit à un homme de Dieu qui est parti visiter une maman. Ses enfants étaient assis là. Mais la maman est une bonne chrétienne. Mais la maman ne sait plus quoi faire. Ses enfants étaient devenus des rebelles. L'homme de Dieu qui est parti visiter cette maman-là, il dit, hey, maman, tu es une femme consacrée. Mais Dieu vient de me dire de demander tout ce que tu vas me demander, tu vas lui demander là, il va accomplir. La maman-là s'est assise comme Salomon. Elle dit, si je demande l'argent, je suis déjà vieille. Même si je donne à ses enfants-là, ils vont tout gaspiller. Si je demande la longue vie, qu'est-ce que je vais faire encore? On va me servir. Elle a dit à l'homme de Dieu là, tu vois mes 2 enfants là, ils sont devenus rebelles. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Donc, je veux leur salut. L'homme de Dieu dit,
à Dieu, je te demande la faveur pour cette maman-là. Ce qui est dans son cœur là, c'est pas la richesse, c'est pas la longue vie. Je te demande une faveur maintenant pour cet homme-là, cette maman-là, pour que ses enfants-là. Quand il a dit ça, ainsi dit l'Éternel. On ne sait pas comment. Les deux enfants sont tombés sur leurs genoux, commençaient à crier, à se repentir. Ils ont été sauvés à l'instant. La puissance de la faveur divine. Écoutez, je veux que vous compreniez ça aujourd'hui. Que ce ne sont pas les jeunes multiples ou autres là. Non. Non. N'importe quelle situation. Demandez la faveur. La faveur. Seigneur, tu vois, les patrons là sont contre moi. Ça, c'est au service. Ils sont en train de monter un coup contre moi. Je suis trop petit. Je ne peux rien faire. Seigneur, regarde mon incapacité, mon impuissance devant cette situation professionnelle. Je ne sais pas comment. Seigneur, je demande ta faveur. Ta faveur. Oh, pour ce travail-là. Ta faveur. Tu vas voir ce qui va se passer. Ce que je te dis aujourd'hui, je peux te donner plusieurs. Mais je ne sais pas en ce moment-là, je ne connaissais pas le mot faveur. Hein. Mais mes prières les plus courtes ont été les plus exaucées rapidement parce que je savais que je ne pouvais rien faire par moi-même. Rien par moi-même. Rien par moi-même. Mon frère, ma soeur, la faveur divine nous entoure. Elle est autour de nous en permanence. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, quand nous voulons prier là, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10, verset 19. Au moyen du sang de Jésus, on a vu les trois choses. L'esprit de grâce, le sang de l'alliance et le Fils de Dieu. Dès le moment où ces trois-là sont d'accord, mon frère, il dit, quand tu veux prier, sache une chose, tu as un libre accès dans la présence du Père qu'on appelle le sanctuaire. Le sang de Christ est toujours là. Le sang de Christ est là. Et le Père voit le sang de Christ. On dit qu'au ciel, quand Jean a vu le trône, il a vu au pied du trône un agneau immolé. Le Père regarde jusqu'à présent, jusqu'à la fin du monde. Le Père ne regarde que l'agneau immolé qui est au pied du trône. Quand il voit l'agneau immolé, quand il voit le sang, le Père se calme. Frères et sœurs, écoutez-moi. Nous avons au moyen du sang une libre entrée dans la présence du Père. Mais quand on rentre là-bas, on va trouver quel trône? Hébreux 4, verset 16. On va trouver le trône de la grâce, le trône de la faveur divine. Quand on ne peut pas prier, on ne peut pas prier le trône de Mont Sion, du Mont Sinaï. On ne part pas pour faire des choses. On part, mon frère, et quand on va au trône de la grâce, le trône de la grâce, l'esprit de grâce, le sang de grâce, tout est là. La faveur divine. Quand on va là-bas, on va obtenir miséricorde et on va trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il n'y a pas une situation, frères et sœurs, les prières les plus courtes et se basant sur la faveur ont été les prières que j'ai vues se manifester. C'est important, frères et sœurs. C'est pourquoi, quand malgré tous les miracles que Moïse a fait en Égypte, Pharaon est resté intraitable. Dieu voulait apprendre quelque chose à Moïse pour que nous apprenions cela. Malgré les miracles, votre vie ne change pas. Malgré les miracles, vous n'êtes pas libéré. Malgré les grands signes, vous n'êtes pas libéré. C'est que Dieu est en train de vous enseigner quelque chose. Quelque chose, frère. Quelque chose. Tu comprends? Il va t'enseigner quoi? Il va t'enseigner de compter sur sa grâce. Et sa grâce-là, c'est incompréhensible.
Dieu dit à Moïse, bon, ok, tu vas prendre un agneau et tu vas rassembler ton peuple. Tu vas leur dire que chacun ait un agneau ou bien une brebis. Entre les deux soirs là, chacun va égorger, prendre le sang là, mettre sur ses portes et de manger la chair là. Donc voyez encore, la chair et ensuite le sang là, ça c'est marqué sur vos linteaux et vos poteaux. Maintenant, restez dans cette présence. Que personne ne quitte la présence du sang là. Ne dis à tes enfants, à vos enfants, que personne ne sorte la nuit là. Là où vous avez mis le sang là, restez là-bas. Parce qu'il y a deux choses qui vont se passer ce soir. Il y a l'ange de la mort qui va venir. Quand l'ange de la mort va venir, et il va passer. Mais je vous dis une chose, Moïse, quiconque sera sous le sang, l'ange de la mort sera incapable de le toucher. Même les chiens qui ne sont pas entrés dans les tentes là, qui sont dehors, rien ne va se passer. Et quand il va passer, moi-même, je passerai et je verrai le sang. Je vais voir le sang. Quand je vois le sang de l'alliance, l'esprit de grâce, l'esprit de vie va se manifester. Peuple de Dieu, est-ce que, écoutez-moi, ce n'est pas ce que je vous dis ce matin-là. L'esprit de grâce va se manifester puissamment. Et vous allez comprendre ce qui va se passer. Quand Moïse a fait cela, il a été étonné. Il a été étonné. Ah! Mais la nuit, ils ont entendu les Égyptiens crier. La maison de Pharaon crier. Et le même ange de la mort vient dans le camp d'Israël. Sans effort, sans prière, mais la foi dans le sang. Le sang de la grâce, le sang de l'agneau animal. Quand il a vu ça, c'était impossible à l'ange de la mort de toucher un Israélite, ni les premiers fils, ni personne. Parce que la marque du sang est très importante. C'est pourquoi on dit de ne pas mépriser, de ne pas piétiner le sang de l'alliance. Si tu fais ça, tu outrages l'esprit de la grâce. Tu mets en doute l'œuvre achevée de Christ. Et rien ne va marcher pour toi. Rien ne va marcher pour toi. Frères et sœurs, c'est des choses importantes que je vous dis ce matin-là. Marcher donc et vivre, donc vivre et marcher donc dans la conscience de l'esprit de la grâce. Nous avons la faveur de Dieu. Et la Bible dit dans le psaume 125, verset 1 et 2, il dit de même que les montagnes entourent Jérusalem. Psaume 125, verset 1 et 2. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Cette montagne ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Il dit des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. C'est la grâce là. Quand vous dites ça, vous prenez déjà, vous voyez tant d'âme. Non, on vous dit que c'est de la grâce là. Depuis le matin, vous n'avez pas dit amen. Maintenant, vous dites, parce que vous aimez certains versets, vous croyez que c'est des versets magiques. On dit l'Éternel entoure son peuple là. Dans le Nouveau Testament, c'est quoi? L'esprit de la grâce. C'est ça qu'on vous dit? Vous pensez déjà que Dieu même va venir? Non, on ne parle pas de ça. Prenez tout l'Ancien Testament, mettez-le dans le cadre du Nouveau Testament. Et vous allez comprendre. Vous n'êtes pas des gens de l'Ancien Testament. Ça ne vous concerne pas. Donc, mais il dit que ces choses-là ont été accomplies
dans l'œuvre achevée de Christ. Donc, toutes les promesses de l'Ancien Testament sont pour vous des faits. Et on dit l'Éternel nous entoure. Et puis le matin, je me poumons pour te dire qu'il est en toi. Là, tu n'as pas dit Amen. Comment Dieu peut être autour de toi? Réfléchis toi-même. Tu me dis Amen là. Comment Dieu peut être, il est où? Il vient autour de toi comme ça. Hein? Dans ta tête, c'est ça. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais Dieu est en toi maintenant. On ne peut pas vous séparer. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Ça te regarde. Il est là. Je suis là-bas de ça. Qu'on crie à Dieu. Je suis là-bas de ça qu'on proclame. Mon frère, je suis là-bas de ça. Et que tu vois la grâce de Dieu se manifester puissamment en ta faveur. En ta faveur. Et quand il y a ça, les bénédictions là, parce que grâce et bénédiction sont toujours liées. Là où il y a la grâce, les bénédictions commencent à se manifester. C'est parce que la grâce est venue que la Bible te dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction. En qui? En Jésus. Pourquoi? Jésus amène la grâce. Là où est la grâce, les bénédictions sont là. Tu es sous la grâce. Les bénédictions sont pour toi. Elles sont pour toi. C'est la foi qui saisit. Tu ne crois pas à ça, tu vas aller prier sans foi. On t'appelle d'aller gérer et prier. On ne t'a pas dit ça. Chaque fois qu'une situation est difficile, le prophète Ésaïe a dit, il dit, moi je suis l'homme de la parole. Je suis l'homme de la parole. Quand je dis une chose, elle s'accomplit. Roi Ézéchias, prépare-toi. C'est fini pour toi. Ézéchias dit, il n'y a pas de problème. Tu es le prophète, tu as la parole. Attends-moi, prophète. Tu ne me connais pas. Tu as lu mon histoire dans 1 Roi 18. 1 Roi 18. J'ai eu tellement confiance en Dieu. C'est moi qui ai eu confiance en Dieu. J'ai dit à Dieu qu'il est fidèle. Ce Dieu n'a pas changé. Prophète, ce que tu as dit là, il n'y a pas de problème. Il faut aller. Il s'est tourné vers Dieu. Il a dit, la parole a été donnée. Ça, c'est la prophétie. Mais moi, je te connais comme le Dieu de grâce. Je te connais comme le Dieu de grâce. Fais-moi la faveur. J'ai confiance en toi. Fais-moi la faveur. Tu m'entoures, non? Fais-moi la faveur. Dieu a dit au prophète, ta parole n'est pas fausse. Mais il a imploré la grâce. La grâce est supérieure. La grâce vient. Elle n'annule pas la parole. Mais elle permet que je suspende une décision. La grâce permet de suspendre une décision. Tu dois mourir. La grâce dit, je vais t'ajouter 15 ans. La grâce dit, tu veux divorcer. La grâce dit, j'arrête ton divorce. Comptez sur la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. J'ai prêché à Bordeaux. En plein milieu du message. Au palais de congrès. Je prêchais. En plein milieu du message. Je vois deux personnes en entrée. L'homme s'est assis du côté droit. Ils sont entrés par la même porte. Hein. Mais l'homme s'est assis du côté droit. La femme s'est assise du côté gauche. Moi, je prêche, mais je les vois comme les gens, je prêche, je les vois entrer. À un moment donné, le Saint-Esprit me dit, parle. Il dit, vous êtes un couple, vous venez de rentrer. Vous venez du tribunal pour divorcer. Mais Dieu me dit maintenant, ainsi dit l'Éternel, vous venez me voir à la fin du culte là. J'annule votre divorce au nom de Christ Jésus. Il venait de rentrer. Quand le culte est venu,
Le monsieur a couru appeler sa femme. On m'a donné une petite salle au palais de congrès là. J'ai dit, c'est vous, non? Il dit, pasteur, on vient du tribunal. On est arrivé à l'acte pour divorce. Il dit, asseyez-vous ici, quel divorce ça? Satan vous a trompé? C'est Satan qui trompe un chrétien pour divorcer? Si vous laissez divorcer, vous allez souffrir comme vous n'avez jamais souffert. C'est Satan? Il va te montrer que ça c'est bien, cet homme est bien, cette femme est bien, divorce seulement. Il y en a quelques-uns dans nos églises là, qui ont divorcé des anciens, mais aujourd'hui, je les ai suspendus. Mais ils souffrent actuellement. Je dis, la femme, il faut attendre. Il n'a qu'à souffrir. Il va comprendre. Ça ne me dit pas Dieu. Je ne parle pas, vous voulez divorcer, pourquoi? Il y a quoi? Il n'y a pas de pardon, non? Il n'y a pas de réconciliation? Il y a quoi? Allez, tenez-vous la main. Mettez-vous à genoux. Je brise le divorce. Allez-y. Ils sont allés au tribunal le lendemain. Ils ont dit non, eux ils divorcent plus. La grâce, la faveur, écoutez-moi. Un papa est dans le coma. Il ne faut pas pleurer, crier. Il faut dire, Dieu, ce papa là, il nous aide. Et s'il s'en va, comment on va faire? Les enfants sont petits. La femme s'agenouille. Oh père. Ta faveur seulement que je veux. Rien d'autre. Il ne mérite pas. S'il doit mourir, il doit mourir. Tu as raison. Mais, oh papa, faveur divine. Faveur divine. Faveur divine. C'est comme ça qu'on fait. Vous priez. Faveur. Faveur. Ton entreprise en train de chuter. Faveur. Les enfants sont rebelles. Faveur. Quelle est ta situation? Ton mari est devenu rétrograde. Faveur. Mais tu es avec un homme. Sa vie est rétrograde. Mais tu oublies que quand vous allez tous les deux mourir, vous n'allez plus être mari et femme. Ton mari va aller en enfer. Demande la faveur divine. Que Dieu réveille cet homme-là. Fais-lui grâce. Ouvre-lui les yeux. Pour qu'il comprenne que sa vie est une vie rétrograde. N'oubliez pas que personne ne sera avec son mari ou sa femme au ciel. Il n'y a pas de famille rassemblée au ciel. Non. Chacun de vous individuellement est époux de Christ au ciel. Ce sera dommage quand même que tu arrives au ciel. Tu ne trouves pas ton mari? Il t'a nourri sur la terre. Il t'a donné des vêtements. Il t'a donné des voitures. Tu as été incapable de demander la faveur de Dieu pour cet homme rétrograde, de lui faire asseoir mon mari. Le chemin que tu prends là n'est pas bien. Mais je vais demander la grâce de Dieu pour toi, la faveur. Va te cacher. Demande la faveur divine pour cet homme-là. Ce n'est pas une bonne chose. Tu le laisses. Et donc, tu t'es marié à un homme riche pour être bien sur la terre, mais sans amour pour lui. Tu vois un homme en train d'aller en enfer. Il vient te donner une voiture. Il va te donner une maison. C'est ça qui t'intéresse. Dieu a dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est parce que les chrétiens rétrogrades sont plus en danger que les païens. C'est la vie rétrograde d'Élie qui a tué sa famille. Dieu l'a prévenu. Ta vie n'est pas correcte. La vie de tes enfants n'est pas correcte. Non, il est là. On va aller au culte. De temps en temps, on ne va pas aller. Je suis fatigué. Tu es fatigué. Mon mari. L'enfer, on ne se fatigue pas là-bas. Hein. Il faut avoir la force garantie que si on dit qu'on a cru en Jésus, on est sauvé. On est sauvé en espérance. C'est dit dans la Bible. J'ai pris le car pour aller à Bobo. Ça, c'est le salut. Il faut que j'aille à Bobo. Je peux culbuter à Bourmo. Je peux arriver à Bobo. On est sauvé en espérance. Et c'est pourquoi on continue. C'est pour dire, travaillez à votre salut.
En faisant quoi? En croyant la parole, en marchant selon la parole, travailler à ça. On vous asseoir, croire que bon, on est sauvé, on est sauvé. Même si j'ai fait un voile au ciel. Qui t'a dit ces mensonges-là? Travaille ton salut au bout. La faveur. La faveur. La faveur, quand la faveur est sur quelqu'un, quand tu marches avec la personne, il dit, si deux se mettent d'accord pour marcher ensemble, la faveur divine était sur Abraham. Sur Abraham. La faveur divine était là. La faveur divine n'était pas sur Lot. Mais Lot a compris. Parmi tous les parents d'Abraham, là, Lot a compris. Il a dit, tonton, là où tu vas, je m'en vais. La faveur divine était sur Naomi. Naomi. La faveur divine n'était pas sur Lot, Ruth. Ruth a compris que Naomi, là, elle a la grâce. C'est une forme de grâce. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ton pied, mon pied. Ton Dieu, mon Dieu. Dieu a dit, hein? Il a ouvert la porte de la grâce. Ruth est rentrée par la grande porte. Elle est devenue une ancêtre de Jésus-Christ. Lot n'a pas continué. Lot a suivi Abraham. Quand il est sorti, quand Abraham a fait une erreur, il est parti en Égypte. Même en Égypte, là, la grâce d'Abraham était sur Lot. Quand quelqu'un a une grâce, si tu le suis, la grâce te suit. Mon frère, c'est pourquoi suis-moi. J'ai la grâce de Dieu sur moi. Ça que tu es, c'est pas orgueil. J'ai la grâce de Dieu sur moi. J'ai la faveur de Dieu sur moi. Quand je te parle une parole de grâce, marche. Va avec ça. Tes affaires prospéreront. Ta vie prospérera. Ton travail prospérera. Ta famille prospérera. Ta vie physique prospérera. Ta santé prospérera. Ton mariage prospérera. Tout prospérera. Parce que tu marches avec un homme de grâce. Avec un homme de grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la grâce est arrêtée pour l'autre camp. Quand il a quitté l'homme de la grâce, il pensait que bon, il pouvait. Non. Satan nous flatte parfois. Au moment où on est en plein succès, on pense qu'on peut avoir quelque chose d'indépendant. Je parle en même temps à beaucoup de jeunes pasteurs. Ils suivent un ancien. Ils arrivent à un endroit. Et ils ne savent pas que c'est à cause de l'ancien là qu'ils ont la grâce. Et Dieu m'a appelé pour ça. Ah bon? Ce sont tes yeux qui t'ont appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. L'autre. Tu as vu quoi? Non, non, non. J'ai vu une plaine là. Comme on a beaucoup de moutons là, on va aller. Est-ce que moi je t'ai dit que tu me gênes? Il t'a dit que tu me gênes? Non. Non, non, mais tonton, il faut comprendre. Non, on va se séparer. Il est parti là où il y a l'herbe verte là. Heureusement que Abraham avait la grâce. Ce n'est pas Abraham qui l'a sauvé plus tard à Sodome et Gomorre. Est-ce qu'Abraham est parti à Sodome et Gomorre? Suis les gens. Faire attention. Si Dieu t'a mis ici là, suis-moi. Toi, tu quittes ici. Tu pars. Mais comment tu vas être comme... Tu quittes ici. Tu es en train de suivre déjà. Toi, tu es yari-yari, non? Ça ne me plaît pas, hein? Pas de fidèle, là. Sois un homme fidèle, une femme fidèle. Là où Dieu t'a mis, sois fidèle là-bas. Si Dieu voulait que tu ailles là-bas, il allait te faire aller là-bas. Frère, c'est très important. Les disciples ont suivi Jésus, là. Tu as vu un disciple qui a eu des maux de tête? Toute la Bible, tu as lu. Il y a un qui est tombé malade. Hein? La grâce faisait quoi? Et sa vie, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez et suivez-le. Et la bonté va vous remplir.
Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Que les frères de la Sainte Seine s'approchent de la Sainte Seine rapidement. Nous continuons, le message continue. Hein? Impact TV, réseaux sociaux, le message continue. Ce matin, nous sommes là. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons montrer l'importance de la Sainte Seine dans le régime de la grâce. C'est la révélation de la Sainte Seine qui a sauvé le peuple d'Israël. Et que c'est ce sang qui a été coulé, le sang qu'ils ont versé sur les tentes, là, Exode 12, là. Et le corps qu'ils ont mangé, le pain, là, qui leur a donné la délivrance. Qui a permis à l'esprit de vie de les vivifier. Deux. Troisièmement, qui a fait que leurs vêtements ne sont pas usés, leurs corps ne sont pas usés. C'est ça qui leur a donné la victoire pendant toute leur traversée. Jésus a dit, par mon corps brisé, mon sang, j'ai vaincu, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Et par mon sang, je vous ai donné la victoire. Je vous ai donné la victoire. À cause de ça, donc chaque fois que vous mangerez de ce pain, le pain, le corps qui a été brisé pour vous, rappelez-vous que ce n'est pas un pain simple. Rappelez-vous que c'est le pain de la victoire. Que vos péchés ont été pris sur mon corps. Que vos maladies ont été placées sur ce corps-là. Que vos malédictions ont été placées sur ce corps-là. Et chaque fois que vous tenez le pain dans votre main, quand vous tenez le pain dans votre main, vous devez savoir que c'est le corps brisé de Christ à la croix qui a pris vos péchés, vos maladies, vos malédictions, votre pauvreté, il a tout pris et il vous a donné la victoire. Maintenant, quand vous tenez le sang que Moïse a répandu, c'est la vie, c'est la victoire sur Satan. C'est la protection. C'est tout cela. Vous devez comprendre cette vérité. La Sainte Seine que vous la prenez à la maison, que vous la prenez à l'église, ce n'est pas une tradition. C'est l'expression de votre vie, de votre victoire, de votre délivrance, de votre prospérité. C'est ça que vous faites. Donc, quand vous êtes conscient de ça, en disant au Seigneur, je mange le corps brisé, je bois le sang de l'alliance, vous avez proclamé que de cette semaine-là, toute cette semaine-là, jusqu'à la semaine prochaine, vous allez manger. C'est-à-dire que vous vivrez dans une semaine de victoire, de la manifestation de la puissance de Dieu. Vous devez vous rappeler de ça. Ne mangez pas et puis ne partez pas en oubliant ce que vous venez de faire. Vous pouvez le prendre chaque jour si vous le voulez, si vous dressez la table. Mes frères et sœurs, prenez cela avec foi. Ce matin-là, comme Moïse a aspergé le sang sur tout le peuple et il a scellé. Ce matin-là, à cause de ça, il dit qu'à cause de cela, Dieu a guéri toutes leurs maladies. Dieu a tout guéri. Il leur a donné le pain, la manne. Il leur a donné la caille. Il leur a donné, leurs vêtements ne sont pas usés. Il leur a donné la victoire sur Pharaon et son armée. Regardez à cause de Exode 12 là. C'est pourquoi Dieu dit, rappelez-vous, faites cela une Pâque. Rappelez-vous de ça.
Chaque fois que vous faites ça, vous proclamez votre victoire. Vous proclamez la vie abondante. Vous proclamez la bonne santé. Mais si vous le faites indignement, si vous ne reconnaissez pas que c'est le corps, vous créez des maladies en vous. Vous pouvez créer même la mort. C'est pourquoi chaque fois, ne mangez pas cela de façon vulgaire. Vous avez entre vos mains la victoire, la vie, la guérison, la bonne santé et la victoire, la vie dans votre main. C'est pourquoi, excellent Père, je te présente ce matin ce corps brisé de Christ et ce sang qui a été versé. Quand ils vont manger cela en étant conscients que c'est la table de la grâce, qu'ils sont devant le trône de la grâce, leurs péchés, les maladies, les malédictions, d'où qu'elles viennent, leur pauvreté, comme tu l'as dit dans 2 Corinthiens 9, tout cela a été détruit, nettoyé. Et ta grâce apporte non seulement le pardon, le salut, apporte aussi la guérison et la bonne santé, apporte la bénédiction, apporte la prospérité. Et quand ils vont arriver cela par le sang de Jésus, ce matin, que ce sang-là, quiconque va prendre ce sang-là par la foi, comme Moïse l'a fait, il a aspergé le sang à Pâques et il est sorti d'Égypte avec assurance. Il a été libéré de l'emprise de Pharaon. Ce sang-là, quand ils vont le boire, quand ils vont l'asperger sur leur corps, ce matin, que des signes miraculeux. Père, je demande une faveur. Ce que je t'ai demandé dans ma chambre. Et quand je vais présenter cela ce matin, fais-moi la faveur pour ce peuple qui est devant moi, ici ou à la télé ou sur les réseaux. Fais-moi la faveur, ce que j'ai dit ce matin, que les pardons, les réconciliations, les harmonies familiales, le salut des enfants, la guérison et la bonne santé, Seigneur, toutes les malédictions partent, les bénédictions en Christ et la prospérité, le succès dans leur vie. Père, que cela s'accomplisse. C'est la faveur que je t'ai demandée, car je suis ton serviteur. Fais-le pour eux. Même ceux qui pensent qu'ils ne le méritent pas, ceux qui sont même dans le désarroi, qui sont dans la rébellion. C'est la faveur divine que je te demande ce matin. Papa, je te demande cette faveur divine. Quiconque est ici, même s'il a fait du mal, même s'il m'a insulté, même s'il a trahi, il a mal parlé, je te demande seulement ta faveur. Ta faveur pour cette personne-là. Et que maintenant, Père, je vais asperger le sang maintenant par le nom de Christ Jésus, sur l'assemblée des saints, partout où ils sont maintenant, j'aspère le sang à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, sur eux tous. Et je brise le pouvoir de cette sale maladie COVID au nom de Christ Jésus. Je brise le pouvoir de tous ceux qui attaquent le Burkina Faso au nom de Christ Jésus. Père, je proclame sur le peuple de Dieu, sur la nation, je proclame, je te demande une faveur, il ne mérite pas, c'est la faveur divine, sur la base achevée et la base de l'œuvre achevée de Christ. Christ a tout payé pour nous. Papa, tu m'entends ce matin, tu m'écoutes, tu m'exhaustes. Ceux qui sont malades et qui regardent la télévision, qui n'arrivent même pas à prendre la Sainte-Seine, qu'ils, à la fin de ce culte-là, qu'ils soient totalement guéris et restaurés, qu'ils aient la bonne santé. Tout quiconque regarde maintenant est en contact avec nous, que cette faveur divine-là se manifeste sur sa vie, que leurs enfants rebelles soient bénis,
guéris, restaurés. Que les maris soient restaurés. Que les femmes soient restaurées. Que les familles soient réconciliées. Que les couples soient réconciliés. C'est la faveur que je te demande. Seigneur, merci pour cette faveur-là. Et recevez cette faveur-là. Dites avec moi, Seigneur, je reçois cette faveur que ton serviteur t'a demandé pour moi. Je ne mérite pas, mais par ta faveur divine, je reçois tout ce que l'œuvre de achevé de Christ a fait dans le corps et dans le sang. Je reçois tous ces bénéfices-là et ce matin, tout est accompli pour moi. Je le sais, Père. Merci pour ta grâce. Au nom de ton fils Jésus, amen. Amen. Quand vous allez tenir ça en main, mangez ça avec foi. Mangez ça avec foi. Mangez ça avec foi. Si tu as un mouchoir, mets-le une goutte, deux gouttes, va mettre sur ton mari, va mettre sur ton enfant malade, va mettre sur ta mère malade, à la maison. Je t'autorise ça. Va le faire. Les gens peuvent critiquer. Ce n'est pas un problème. Fais cela ce matin. Et tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la paix de Dieu. Mais s'ils sont loin, quand tu vas tenir le pain et la coupe, s'ils ne sont pas ici, s'ils sont dans une autre ville, proclame leur nom. Proclame le nom de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ta situation. Proclame ça et mange dans l'esprit de victoire, dans l'esprit de grâce. Au nom de Jésus, amen. Amen.